Salut à tous, c'est les Incous. On est de retour sur FS22 pour continuer nos affaires Nos affaires en compagnie de de Bouddha, Bouddha Bouddha, et Bouddha, Panam. Panam, Panam, notre associé, il est pas là, il est encore en train de bosser là. ouais, mais il nous entend, Ouais. Alors, je pense. il a fait plein de choses à la ferme, vous verrez. Ouais, c'est vrai qu'il a pas Donc, chômé quoi. moi, je vais commencer à charger les big bags pour les poules. Là, celui-là, il y a eu un petit bug, Ouais, il est tombé par bah terre. moi je prends ma pause, j'arrive. Ça marche. À toute. Voilà, je vous dis pas ce que Panama a fait. Pleine surprise. On va essayer de charger ça. Ah, vous voyez déjà les petites bottes de Paname là. Ah, faut l'atteler. Ok, ça s'attelle. On lève. Ok, c'est bon, j'ai pas besoin de la masse. C'est un bon tracteur, ça. Voilà notre nouveau tracteur. Le plus gros. Du coup, ça nous en fait 4. Et ça nous suffira. Aujourd'hui, on va lancer les poules. Et on va sûrement s'acheter une machine pour semer. Hop, on dételle. Bon, je vais essayer d'aller ramasser celle qui est par terre là. Alors, comme vous entendez, Panam est à fond dans son travail. Ça s'entend. Ah, ça s'entend que t'es à fond. Il y a un petit bug avec le big bag. Mais bon, c'est pas grave, on va le charger. Ah, est-ce qu'il va se remettre droit? Oui. Oui, impeccable. Par contre, je peux pas lever plus haut. Ok. Et du coup, vous avez pris beaucoup de choses là au magasin? Non, on a juste pris les big bags pour les poules. Tac. Là, tu mélangeras les autres appareils, on remplira au fur et à mesure les semoirs, tout ça. Ouais. Bah, je vais attendre Bouddha pour les semoirs, je pense. Je vais lui laisser le masser, je vais prendre le fent. Je vais éteindre le. Tac. Bouddha, il laisse les clignotants. Hop. Histoire qu'on ait de quoi. Alors c'est ça qui a fait tout pour rien entre guillemets. Ce que je pensais faire, c'est le champ qui a fané. Je pensais récupérer de la paille, des graines pour les poules, tout ça, tu vois. Mais voilà, on a un petit champ cafané. Ouais. Faut dire, j'ai regardé tellement de choses hier que j'ai pas pensé à regarder l'avancement des cultures, tout ça. Là. Ouais, attends, on va faire place. Alors, est-ce qu'il va réussir à gérer ça? Ah, c'est le premier test. J'ai pas Vas-y. encore mis la touche et puis Bah oui. du coup je vais laisser Paname faire les choses. Comme vous êtes tous en train de faire ça, les gars, là. On est au Comment bout ils du sont 21. Ah ouais, vous chargez et tout? Ouais. Ouais, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas fait avec celui-là. Alors attends, je vais regarder transport d'animaux. S'il faut une petite bétaillère pour. Pour les moutes-moutes.
Ah bah pour mettre un bâtiment pour les moutons. Ouais, on va en mettre un, mais autant commencer les poules. Alors, regardons cette petite machine à semer, semoir. Bon, bah, le premier m'a l'air pas mal du tout, hein. Le Norsten. Blé, ouais, un peu tout. 600 litres. Ah, le Amazon, il fait 1600 litres. Je pense plus on va partir sur le Amazon. Qu'est-ce que t'en dis, Bouddha? Qu'est-ce que t'en dis, Paname? Ouais, bah ouais, hein, Il est pas mal, hein, parce que l'autre 600 litres, ça va être chiant. On va devoir le recharger plein de fois. Et lui, Là, je suis en 165. train de chercher où j'ai mis ma marche arrière. Voilà. Il est propre. Oh, les détails et tout. J'adore. Ah, c'est pour les poules, ça, non? Ouais. Ah, du coup, c'est toi qui as la pince, ouais, nickel. Ah oui, bah, de toute façon, Panam, il a le truc pour les semences. Alors, c'est Zilou, tu veux dire? Non, c'est Panam qui a la pince. Ah, la Ah pince, oui, ouais, ouais. Zilou. T'es pas nul. Ouais. C'est pas ça, ce que je suis en train de réfléchir. Bah, faut leur donner à manger aux poules. Et puis, je sais pas, je suis en train de réfléchir à ce que j'allais faire en fait. Bah, on va aller chercher, on va sûrement décharger le plateau à un endroit quand même. Quand je vais aller ranger la machine. Ah, on va en avoir besoin pour semer. Ouais, non, mais je vais la qu'elle soit. Bah, de toute façon, on peut tous descendre au magasin et chercher une petite machine déjà. Parce qu'il nous faut un truc pour l'engrais, un truc pour la chaux. Ouais, et puis comme ça on les charge au magasin. Ouais. Ouais. Allez. Bon, on descend au magasin alors. Ouais, vas-y, je vais prendre celui-là moi. Oh là là, Bouddha nous fait une Ah doublette. non, mais... Ouais. Ah, il roule qu'à 25, lui. Ouais. Bon, bah, talent. Je t'ai vu au loin. Ouais. Au loin. Mais t'es loin d'être vu. Peut-être. Allez, Alors, je passe la 4 pour le fun. Allez, non, je remets la 5 parce que... on a Je vous dit plaît. une benne. Pas une benne d'Oli, hein. Non, on va éviter. La half pipe, c'est stone. Classe, Demco. Heureusement, ça. Ils sont bien faits, les doggy bags, là. Quand ils gigotent, là, tu vois que c'est des sacs en tissu, que c'est pas un Ouais. truc rigide et tout, c'est sympa. C'est un beau chewing-gum, quoi. Ouais. Power tube. Ah, elle est jolie celle-là. Elle ira bien avec le. Je pense. Et puis ça se vide direct. Alors, extension. Oh Il ne dit pas le poids qu'on peut mettre dedans. 33 mètres. Ah, 6 mètres cubes. 22 mètres cubes, 33 mètres cubes. On va prendre 33 mètres cubes.
And I'm gonna wanna die. One more time. Hop, on Kind met of en anglais. way. Et vu qu'elle ira avec le petit, je vais mettre la plaque du petit. Merde. Pardon. Attention. Après, j'en ai mis plein partout. Je remonte ça, moi, alors. Ouais. Ok. Elle est propre. Grave. Je trouvais qu'elle allait bien aller avec le burère. What a kind of vendu bidou. J'ai donné à manger à tes poules. Ah, yes. Et du coup, attends, je vais regarder un truc. Enfin, tes poules à nos poules, plutôt. Mon sauce. Comme moi, tout à l'heure, j'ai dit mes poules, tu sais, carrément, ouais. J'achète mes C'était la tête. poules, c'est mes poules. Ouais. Ah Ouais, non, mais tu vois, t'inquiète. elles veulent pas d'eau. Ouais, c'est bizarre. C'est peut-être Ouais. ce type de poulailler-là. Après, peut-être que Peut-être que d'autres poulaillers. plus gros, plus énorme, Après, on bref. saura qu'elles mangent soit du blé, soit de l'orge, soit du sorgho. C'est quoi qu'il fallait que je fouine bien? Je sais plus. La bétaillère. La bétaillère. Oh là là, les branchements et tout. Quand ils vont sortir les meubles, on va pouvoir mettre un petit branchement de manuel. Bah si, on... Ah non, c'est il y a que la grosse avec le camion. Ouais, mais tant pis, on achètera comme ça, on va se mettre des moutons parce qu'on a des bottes de foin. Non, pas là. Va derrière les bâtiments là-bas au bout. Ouais, dans l'angle du champ là. Va dans l'angle du champ. Ouais, au bout. Ah Là. ouais. Et la clôture de ce côté-là, tu vois. Ou l'inverse plutôt, peut-être. Le grand mouton. J'ai regardé. 97 000. Ah oui. Je sais pas comment on fait pour le tourner, parce qu'il est pas si grand que ça, tu vois. Mais je sais pas comment on fait pour le tourner. C'est Ouais, t'as trouvé. clic droit et tu bouges la souris. Comme si, moi, moi je l'ai pas posé, mais tu vois, parce que regarde, tu vois, dans le sol, on voit il y a le béton et tout. Je sais pas si on peut le poser là, mais ça pourrait donner, tu vois, je trouve. Grave. Sinon, on garde le carré pour faire la ferme. Ah, puis non, ce qui est bien, c'est que les moutons, ils vont être... Tu vois, l'enclos, il descend. Par rapport à l'herbe et tout. Ouais. Aussi, on va le poser. On va faire ça bien. Comme ça, on a vu qu'on a 2-3 bottes pour les nourrir, on le remplit à fond, ça nous fait de la laine à mort. Faut qu'on se garde de l'espace quand même pour le champ. Quand on va... Ouais, moi j'aurais mis comme ça, ouais, à l'ombre, tu vois, à l'ombre à ras du chemin. Comme ça nous gêne pas. Comme ça, on a nos poupoules, nos moutons, on a de la laine. C'est toujours ça de gratter, parce que là, la thune, elle va descendre. On n'a pas acheté encore les machines. Oh là là, Ça va c'est pas tarder de propre. piquer. Les... Ça Je va pas kiffe tarder trop de les piquer. enclos qui font ça là. Grave, les barrières, ça suit et tout, mais moi, j'aime bien. T'as vu comment on a fait le chemin? Ouais. Comment on l'a retravaillé? Parce que Panam, il a posé le petit hangar pour les grains. Et j'ai retravaillé le chemin. Après, attends, je vais le mettre en vue comme ça. Là, du coup j'ai ouais j'ai du coup vu que là on n'arrivait pas à retravailler les bosses, je dis bah du coup j'ai mis de l'herbe là, j'ai mis de l'herbe là, j'ai dit on fait une entrée là. Ouais, puis c'est bien parce qu'on peut on n'est pas obligé de rentrer en descente, tu vois, on peut se rentrer en biais ou. Ouais.
Ah bah. Et voilà notre petit atelier. Là, faudrait que je lisse un peu cet endroit-là. Cette petite arête là. Et on est bon. Il n'y a plus à. Merde. Il n'y a plus à. Il n'y a plus à rien faire. Alors, paysagisme, lycée. Adoucir, comme ils disent. Pas mal. Moi j'aime bien. Calendrier, ah oui, La calendrier. date là. Alors, saison de plantation, saison de récolte. Ben, on peut planter blé, orge, colza. Blé, orge ou colza. Moi, je vais planter du blé, Je moi. pense, ouais, je pense que le blé, il en faudrait dans le plus gros champ. Donc là, ça démarre. On va faire un petit tour de la place quand même. La belle petite place. Regardez un truc que j'avais vu. On lavera le tracteur plus tard. Bon, on va semer le 23 en orge. Et puis sur ce, je pense que je vais vous laisser sur un petit accéléré. Et puis, on vous fait des bisous. Oh oui, tout plein de bisous partout. De la part de Bouddha. C'est Bouddha, le roi des bisous. Ouais. Alors sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like, ça ferait énormément plaisir. Petit pouce bleu.